Un déluge de pluie, des pointes de vent à 180 km/h. Le puissant typhon Mindulé s'approche ce lundi de Tokyo. Il a déjà fait une trentaine de blessés et les autorités mettent en garde contre les risques d'inondations et les glissements de terrain. Une touriste britannique explique que les zones rurales sont inondées et qu'elle est venue à Tokyo pour plus de sécurité. Cet étudiant japonais raconte lui qu'il a eu peur que son avion ne puisse pas atterrir. La vie économique de la capitale japonaise et les transports sont particulièrement perturbés. Ce train a déraillé, d'autres accusent de gros retards. Même difficulté sur les routes où les bouchons s'accumulent, mais aussi dans les airs. Les compagnies ont annulé plus de 500 vols. Des centaines de milliers de foyers pourraient être contraints d'évacuer. Le typhon doit continuer sa route vers le nord-est du pays dans la soirée.